Bon, l'Autriche, là, 55% de victoire, là, tu veux pas... la Bourgogne. Par contre, est-ce qu'on peut mettre en deux le temps que je fasse ma guerre France-Bourgogne, reste du monde? Voilà, c'est en deux. Et je te remercie. T'es en guerre contre la Bourgogne aussi? Ben, j'ai attaqué la Bourgogne pour te libérer un peu et moi en profiter. Ah. Mais il y a la France qui a sauté. On a profité. Exactement. Ah non, mais c'est les saletés de Français. Pourtant, on est bien classé pour le savoir qu'on est des fourbes. Mmh. Bon, par contre, les Hongrois, je les ai jamais appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes et ils défendent tout. Ça, ça aurait peut-être fait du bien en fait. Eux, tout seuls, ils s'occupent de. De chez moi. Bon, bah, je vais en profiter pour. J'ai. On va t'envoyer là-bas. Perte d'innovation, tant pis. On va commencer à fabriquer sur Moscou, tiens. Pas que je puisse l'attaquer vraiment maintenant, mais. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à faire là. Ah, si. Bon, ils m'ont filé un bon général, donc ils peuvent prendre le pourvoir, les nobles. C'est pas un problème. C'est tellement lent de retrouver des effectifs, c'est horrible. Ouais. Surtout quand t'as 200 troupes à... Je fais 190 visums par mois. Génial. Bah j'en fais 10 de moins. Ouais. Alors, soit je perds 10 de prestige, les plaisirs de la chair. Il me manque 24 000 hommes. Ah, toi aussi, ta femme, elle a sauté. Ouais. Et il m'en manque 22 000. Bon, on est à peu près pareil. Ah, il t'en manque 24. Oui, c'est ça. Oh, perte de 2 en lassitude de guerre, ça c'est cool. Ça va faire remonter. J'ai eu ça tout à l'heure. Ouais, ça arrive souvent, ça, les plaisirs de la chair. Est-ce que tu as un scientifique en conseiller? Non. Non. Bon. Pourquoi? Parce que le plaisir de la chair, c'est avec un des conseillers. Et c'est ça. Ben, je crois pas. Où c'est que tu vois qu'il est scientifique? Bah, c'est ah, en si, pardon, si, si. Ouais, ouais. J'en ai un. Productivité. Ouais, ouais. À chaque fois que t'as un scientifique, c'est le plaisir de la chair qui peut arriver. Oh là là, mais... il y en a 10 ici. Je sais pas. Mais j'ai remarqué ça. J'ai des. Pour avoir remarqué ça, j'aurais jamais trouvé ce lien, tu vois. Bah, j'ai lu, tu lis tout le détail en fait. Et, quand tu l'as 4 fois en un an, tu te dis oh, elle va se calmer. Et il se passe quoi quand tu fais j'ai jamais fait l'autorité pontificale va intervenir. Bon, moi je fais que ça et en fait le pape prend une décision sur le reste. Et souvent il fait rien. Ah, c'est cool ça. Parce que le problème, c'est que j'ai des séparatistes, ouais, ils sont 10 000 et j'ai que 5 000 troupes. Alors, c'est pas top. T'es en train de vivre ce qui m'est arrivé au début de partie. C'est les Lituaniens là, qui font chier, comme d'hab. Pourtant, il n'y a pas d'agitation dans le pays, je comprends pas. Sinon, tu te mets collé à eux, tu regardes s'il n'y a pas une province avec un bon malus pour l'attaquant. Et quand ils sautent dessus, ben, tu les exploses. Parce qu'ils prennent moins 2. Bon, la Bourgogne, elle est toujours pas à l'agonie, elle a son pays entier. Ouais, ouais, mais elle est pas toute seule. Hein. Ouais, à un moment, la population va lui dire stop, ils sont tous en faible, à part le Brabant qui est en moyen. C'est pas fameux là, ce début de partie. Hein, je compatis. J'ai grossi comme il fallait, et puis après, je me suis attaqué au plus petit pays du monde, Riga. Et on a mangé ses verres. Mon super général. Mon super général, il est mort. Oh là là, j'ai une daube. 3-1. 5 en manœuvre. 0 en siège. Les relèves de fort, ça marche comme dans Imperator ou c'est quand ils attaquent un fort et que toi, t'arrives par derrière, t'es considéré comme défenseur? Ouais. Ouais. D'accord. Ça, c'est bon, ça. Toujours laisser l'ennemi attaquer un fort. Et lui sauter dessus derrière. Là. Bon, c'est pas glorieux. Allez, ça. Va sur le fort, qu'on rigole. Que tu te prennes un peu d'attrition et que je te saute dessus derrière. Je sais pas comment ils font. Hein. Ils ont leur pays entier envahi
Et là, ils sont en Hongrie, ils sont en train de siéger Zemplén. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, ouais. On donne tout ce qu'on a, quoi. Ah là, ils sont en train d'essayer de prendre Caen, là, chez toi, Pim. Ouais, je sais, mais bon. Rien à foutre. C'est... Les non, Cosses aussi allé, qui tentent un tapé, truc. Je suis reparti. J'ai tapé l'armée qui était là, je suis reparti. c'est la France. C'est vrai. Et en plus, j'ai une tech de retard. Deux tech de retard. Et la Savoie qui occupe toute la Bourgogne. Putain, la France, elle est bien. 6-6-6. Hein. Le général ? L'Autriche, 5-6-6. Non, les techs. Ah, les techs. La Pologne, 5-6-6. Putain, mais toi aussi, t'es bien. 6-6-5. Oh putain, ça a passé ! Ouais, j'ai pas mal de points, là. Mon dirigeant, il est pas dégueulasse du tout. J'ai un 4-4-1. Moi, j'ai un 3-3-2. Et l'héritier, 2-2-1. Ouais. Et après, j'ai un 3-2-5, donc pour augmenter ma tech militaire, ça va être tip-top. Ah bah voilà. 3-2-1. C'était 0-0-0, maintenant je suis 3-2-1. C'était... Ah là, ils sont plus. Putain, 22 000. fais de la répression implacable le temps de retrouver les effectifs. Hein. Ah non, mais trop tard. Parce que là, 22 000, je sais pas comment... C'est de la noblesse lituanienne. Tu vas te taper du séparatisme partout. Ah mais Mecklenburg, ils ont toujours pas pris un... Ah mais je peux rien faire là. À côté de chez moi. Les alliés, ils pouvaient pas venir... filer un coup de main. Ouais. Ouais. Ils se mettent juste à côté. Passe de 10 000 à 25 000, ça fait mal quand même. Bon, 99% score de guerre, t'as pas envie de faire la paix là. Ah, 10 ans de séparatisme là-bas. Ouais, pas le choix. Oh, la Bourgogne, ils viennent de perdre toute leur indépendance. Ouais. Plus de la relâche un peu. Non, il en reste les Flandres. Bon, du coup, toi, tu peux revenir, non sur le continent. Non, mais moi, j'ai la France, hein. T'as qui avec toi? Ouais, le Portugal. Wouhou. Il est en train de se faire défoncer, en plus. Ah, je suis censé avoir la Castille, qui est même bien. Mais elle a pas voulu. On peut intervenir dans un conflit contre une autre grande puissance, l'Angleterre. Non. Ah bah si tu veux m'achever. Non, c'est pour t'aider en fait, a priori. Mais, ah bah là, oui. Mais enfin, t'aider. Ouais, je vais t'aider avec 4 troupes. Je vais envoyer 4 Pékins sur un bateau que j'ai pas. Tu peux pas leur lâcher une ou deux provinces à la France là? Non, c'est... Oui, je sais. Je suis en train de regarder. Il faut que j'en lâche à peu près une quinzaine. Oh là là, mais ça revient par le nord. J'ai des gros problèmes d'indépendance là. Mais je pourrais le faire. Je suis tranquille et allez, je vais développer. Le faire. Allez. Allez. 15 provinces, c'est gentil. T'en as lâché 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les deux marches, ouais. Ouais. Et je renonce. Plus Kildare en Irlande. Voilà. Mais bon, il me reste 3000 hommes. Wouhou! Kildare en Irlande, c'est où? Ah oui. Je peux rien ça faire. Ça fait quand même deux guerres que je perds. En même temps, j'ai pas de vitesse x3 peut-être. Ouais, vas-y, tu peux remonter. Ouais. Ouais, parce que là, ça va faire que mon pays va se faire occuper plus rapidement, mais. J'ai pas joué l'Angleterre depuis des siècles aussi. Je pourrais pas. Attends, c'est la noblesse lituanienne. Quand tu vas dans ton. Dans stabilité expansion là. Ouais. Tu peux pas accepter les demandes. Tu perds du prestige. Mais au moins, il y a plus de rebelles quoi. Ah, mais c'est juste de l'autonomie en fait. Ouais. Perte de 20 de prestige et 20 en légitimité. Ouais, ça va. Hop. Ouais, merci. Mais merci Blue. Ça fait longtemps que j'avais pas joué, je me rappelais plus de ce truc là. Ah, du coup, ça fait moins de problèmes là. On a de l'autonomie en plus, on s'en fout. Et la Flandre vient de déclarer sa guerre d'indépendance. Ah, c'est bien ça. Au revoir la Bourgogne.
réfléchis à prendre le barrois à la province pour annoncer le truc si on est monté depuis. Et la France déclare la guerre à la Bourgogne. Voir la. Ah, t'es en trêve contre la France, c'est con ça. Et contre la Bourgogne. T'avais pas moyen de t'allier à la Bourgogne ? Non, j'étais en rival depuis le début. Ah ouais, t'as perdu. Ah, c'est bon, t'as plus rien sur le continent là. J'ai lâché. À la limite, c'est pas plus mal parce que comme ça, tu peux foutre l'Écosse en. Voilà. Tu peux t'occuper de l'Écosse. La France, avec deux bateaux bien placés, viendront jamais. Non, mais je l'ai tenté, hein. Non, mais ça faut tenter, hein. C'est comme moi, hein. J'ai tenté de prendre Riga, une province après, mineure. Il n'y avait pas une autre stratégie, c'est-à-dire de me ramener toutes tes troupes à Caen, tous tes bateaux pour chasser les flottes ennemies dans la Manche, là. Comme ça, aucun risque que ça remonte. Et te leur tenir tête en Normandie. Non, mais tu tiens pas tête à la France comme ça. Hein. Non. C'est pas jouable. C'est avec la France. C'est comme ton début de partie en fait. T'as une chance, faut pas la louper quoi. Ouais. Bon, par contre, là, niveau expansion agressive, je dois être tranquille moi. Et s'il y a la Bohème qui trouve que je suis un peu. Ah, par contre, je suis plus allié à la Saxe. Il faut juste que je récupère mes troupes pendant longtemps. Ça va durer longtemps. Parce que du coup, cette mission-là, on peut pas la faire. On peut pas la faire. Voyons voir. Je cherche des alliés. Non, mais la colonisation, là, Pim, à ce niveau-là, je crois que. Je peux m'allier à la Lorraine, quoi. Le truc qui va servir à rien. Mais... Ça me servira pas grand chose non plus. Alors, comment on est niveau de l'autonomie, c'est pas top. Ah non, c'est l'autonomie, ça va. Bon, au niveau des missions, j'avais quoi? Oh, j'ai que des événements à la con. Conquérir de nouveaux états, j'en suis pas encore là. Ouais, j'ai trop de tech de retard. Ouais, toi aussi. Je vais faire un focus admin, j'ai pas le choix de toute façon. Ouais, que j'aille vers l'Est pour mettre en place les Cosaques, ce serait pas mal. Ouais, j'ai des revendications sur la Bohème, mais. J'ai pas les moyens de partir en guerre. L'Autriche viendrait pas. Contre Danzig. Pourquoi l'Autriche vient pas? Mon scientifique est mort. Guerre des paysans en Bourgogne. Ah, ça coûte plus de réduction de l'inflation. Oui, c'est pas mal ça. Oh putain, je peux taxer mes ordres. Ça, c'est bon. La Doga, c'est là. Brianxa, c'est Cernigovas. Où est-ce que c'est ces trucs-là? Ici, la Basse-Lusace. Eh oui, Basse-Lusace, c'est Brandebourgeois. Hop, on monte ça. Ingrid et Eva, c'est normal, hop, on augmente l'autonomie partout, comme ça on est tranquille pour un petit moment. Ok, tech admin, parfait. Y'en a marre.
Tigvin, Osrius. La doctrine de quantité. Et je vais pouvoir prendre même le en masse. Parfait. Notre réformateur militaire est mort, quel dommage. Oh, de la discipline, ça c'est bien ça. Tout ça c'est bien, mais ça aide pas. Bon, mais diplomates ils font rien, mais je peux pas faire grand chose en fait là. Ouais, non, moi c'est pareil, je peux pas. Je suis un peu bloqué. Bien, ils me kiffent. Du coup, on va faire un peu de développement. Ouais, bah voilà. Moi, c'est... Je refais un peu mes troupes, mon armée, etc. J'ai trop de retard pour faire du développement. C'est vraiment très bizarre le système de. Un sélecteur et. Ça coûte cher, mais. Pas grand chose que je puisse faire là. Orange, moins 25%, c'est dégueulasse ça. Ouais. Donc toi t'es à 10. Il faut 10, faut 10 provinces comme ça. Ça c'est dégueulasse. Oh, mais ils sont à 59. La puissance diplôme, oui. Il faudra qu'ils soient à 39. Paf. Donc on rattrape un peu le retard. Hop. On va faire ça. La Pologne vient d'entrer dans les grandes puissances. Ouais. Ah, ils sont passés 6ème direct. Donc, je vais peut-être en sortir. Alors. Non, je suis en train de le perdre. Mais... Bah, quand je regarde le truc, il n'y a plus là. Oui, je sais. 33, c'est très bien. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Zut. On va passer à plus 2 en stabilité, ça sera quand même vachement mieux pour gérer tout ça. Smolensk. Cette excommunication là depuis le début. Ça fait quoi déjà de briser les lignes royaux? Ah putain, je perds un de stab. C'est en Turquie, Smolensk. Enfin, en France là. En Turquie. Hein? Au nord de la Turquie. Smolensk. La province de Smolensk, mais c'est... Ah non, c'est en Crimée. Ça doit être vers la Crimée, pardon. Ouais. Non, c'est bon. C'est retombé, c'est parce que je suis repassé en stab positif, donc c'est mieux. La Ligue de Raguse a été dissoute. Ils étaient pas dans la Ligue de Raguse? Ah non, c'est... Lübeck. Si on est tous en pause ou pas de guerre, on peut faire vitesse 4 aussi, si vous voulez. Ouais, si tu veux. Vas-y. Ça tient. On essaye. Ouais, pas de problème. Je suis à moins et quelques milliers. Je suis à moins 8000, là, en militaire. La vitesse du jeu a été réduite pour nous. Ah, Pim est à la traîne. Non, mais c'est moi qui ai le plus de débit et c'est moi qui fais la traîne. Non, j'ai plus de débit que toi, maintenant. Ah bon? J'ai le giga. Ah oui, t'as basculé, toi, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. On va rester en 3. C'est parce que t'as trop de bateaux. Ça doit être ça. Trop de bateaux. Ça doit être ça. Bon, il se passe pas grand chose chez moi. J'en ai 55 des bateaux. J'en ai 0. Par contre, Riga. Moi aussi, j'en ai 0. Je dépasse de 20. Tu dépasses de 20 tes bateaux ? Ali à Brême et Ali à Hambourg. Putain, si je t'écoute. Putain, il y a encore tout le monde. L'entièreté du monde qui viendrait. Si la Pologne n'avait pas de dettes, il viendrait à la guerre contre Riga. La Pologne a des dettes? Ouais, 400 en plus. Mais c'est des connards et ils viennent contre moi si j'attaque Zondi. Ah, mais c'est leur dépendance. J'attaque la Bohème. Ah. Bon, l'Aragon, tu fais ton mariage ibérique pour enlever l'excommunication, s'il te plaît.
Ah non, il y a deux raids. Oui, oh, bah, vous vous mariez entre raids. Ils ont 4000 hommes avec Nuremberg, c'est quoi? Fin de lettre avec Riga, Brême, Hambourg, Magdebourg, dites-moi. Ouais, on retente l'expérience. Pas de suite, attends, je vais m'attaquer à la Bohème, je crois. Moi, je peux rien attaquer, moi. Ça va, t'as 19 troupes, c'est pas mal. Bientôt 21, enfin bientôt. Quelques mois. Non, moi j'ai que dalle. La Bohème, ils ont autant de troupes que moi, mais ils ont 22 000 de réserve militaire. Ah, c'est un problème, quoi. Ils sont tech 7, ces enfoirés. Putain, ils ont des canons, ça veut dire. Ouais. Je peux pas m'attaquer à eux sans canon. Ah, moi j'allais dire avec mon général pourri, il vient de mourir à l'instant. Oh, putain, mais je peux pas avoir un général équilibré. 1, 5, 6, 1. Hernan Truxès. Bah, un en feu, ça va quoi. Herman. Non, ouais, mais c'est le siège toujours en fait. C'est le seul truc que je refais, le premier truc que je regarde. J'ai pas de conseiller, c'est depuis le début de la partie, j'ai pas eu un seul conseiller. C'est fou. En même temps, j'avais pas vraiment besoin. Hein? Merde. T'avais pas assez d'argent? Quand j'en avais, j'ai pas pensé, puis là j'en ai plus assez. Mmh. Ah mais si, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, mais quel idiot. J'ai oublié de faire la... De mettre les forteresses en berne. Ah, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, qu'on repaye les dettes de la Pologne et qu'on va défoncer Riga. Ah bah oui. Suzas, ça a pété. Ah, je suis en avance administratif. Ah bah dis donc. Faudrait, comment t'as fait? J'ai perdu mes revendications, putain. J'ai une flotte. Où? Tu as des bateaux? Oui, peut-être, ouais. En Baltique? Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent là, mes bateaux? Quincy redécouvre le jeu. Ah non, mais c'est violent. Ils sont où? Ils sont en... C'est quoi, c'est la mer Noire? Mm-hmm. Ah, au sud? Ouais. T'as annexé quelque chose? J'ai 10 bateaux, non. Je sais pas pourquoi j'ai des bateaux là. Je les avais de base à mon avis, si je les ai pas vus. Ouais mais ils sont en train de... Ouais, non mais c'est... Un vaisseau léger, 3 galères, 6 de transport. Ouais, j'ai pas mis d'embargo, j'ai oublié. Le problème c'est que je peux pas les renvoyer... Est-ce que je pourrais les renvoyer dans le nord? Ça y est, ça devait arriver. Ah si, ils peuvent venir. Bon bah, on va faire un petit tour de l'Europe en bateau. Bah si, en passant par Istanbul, enfin Constantinople. Ouais, voilà, ouais. Mais faut que ça... Je vais aller voir les... Je vais aller dire bonjour à Pim. Salut. Ah, bonjour. Petite tu puissance. Tu vas passer devant chez moi aussi. Petite puissance. Ouais, mais il se passe pas vraiment de danger. Hein. Vous voulez pas péter là les rebelles à Basse-Lusace? Si vous c'est à Missouri, c'est Minskas. Ça commence à m'emmerder. Osirius. Et moi j'ai un mariage royal avec la bonne, avec la Sax. Ça fait chier cette stam. Lieu de commerce quand même fermé.
Minska, ça doit être juste à côté. En train de le refaire, là, ça fait du bien. Ouais, je commence à revoir des troupes, ce qui est bien aussi. Moi, ça j'ai des troupes, mais pas de réserve, quoi. Moi, je commence à avoir les deux, c'est juste que je gagne 1,40 par mois. Voilà, donc là, normalement, plus de problème. Voilà, il n'y a plus de problème. Cassez-vous. Voilà, donc j'ai une armée qui est pleine. J'ai l'autre armée qui commence à se remplir. L'Autriche, ils viennent jamais, quoi. C'est un truc de dingue. Ah, c'est une partie... La conscience de l'Autriche est pas bonne. Il a autre chose à faire. Ouais, elle est très calme, la partie. Elle est très calme, hein, en ce moment. On a eu un peu d'occupation au début, là, mais là, ça fait une heure qu'il n'y a plus rien. Ça fait du bien, aussi. La Bohème a déclaré la guerre à Hongrie. Ah. Ah. Bonne chance. Non, il s'est passé un truc chez les Mamelouks. Ouais, ils sont en guerre. Oh, mais la Hongrie, ils vont se faire défoncer. Ils sont déjà en guerre contre les Ottomans. Ouais, mais c'est les Ottomans qui sont en train de se faire défoncer, là, par contre. Ah, mais parce qu'il y a l'Autriche aussi. C'est seulement. Les Ottomans. Parce que, ben oui, Autriche-Hongrie, c'est allié. Bon, moi, je fais mes revendications sur le Brunswick. Je file quelques ducats à machin. Et du coup... Maintenant, c'est des missionnaires. Il y a moyen que je te bouffe, quand même. Attends, j'ai des missionnaires qui sont en route, hein. Oh, moins 20 000 sur les réserves. J'avais zéro. Ah d'accord, mais j'ai un missionnaire. C'est pas grave. Ok, donc ça fait 200 ans qu'il y a un missionnaire qui me pompe de la thune, mais qui a zéro de progression. Super. C'est dommage. Super. Vous êtes convaincant au moment de te dire « Non, non, ça va marcher, t'inquiète, fais-moi confiance. » Ah, c'est moi qui sais pas lire, en fait. Bon, ça passerait quoi si je te déclarais la guerre, mon ami ? Magdebourg vient. Oh, mais je vais pas passer en prestige négatif, quoi. Moi, je suis en prestige négatif depuis le début de la partie. Oh, mais... Ah, je suis à moins 50. Ok, on appelle nos amis bavarois. Mais ça sert à rien. Boum, c'est à quoi, Ip ? Je vous ai. Je vais m'absente de 30 secondes. Pas de soucis. De toute façon, c'est pas trop. Quel pays ? Ça change pas grand chose. C'est là que la France et l'Écosse, ils sautent dessus, tu sais. Pim, il revient, c'est. Eh, mais il est où mon pays ? Et l'Ulster qui déclare son indépendance. Voilà. C'est tout la Grande-Bretagne qui explose. Ouais, non, ah, non il parce s'est que. Trop empêtré avec à vouloir garder le. Du coup, il a pas pu conquérir l'Écosse. Ouais, non, mais c'est violent. Mais là, ouais, c'est vrai que. Mais je me demande si. Je pense que c'est pas enfin, programmé comme ça. Par exemple, tu vas jouer la Tunisie. Tunisie, Maroc et peut-être, j'en sais rien, Mamelouk. On va être un poil plus résistant que si tu jouais le Danemark où tu vas jamais regarder ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais. Vu que là, on est un peu étalé sur tout le nord de l'Europe, là. Ouais, non, c'est. Plus velu. Le nord de l'Europe est un peu plus velu, entre guillemets. Je suis certain que ça joue ça. Ouais, non, mais c'est. L'Autriche, tu veux, mais bien sûr. Passe-moi l'Autriche. Oula, oula, j'ai une pop-up. Autriche attaque Venise, on s'en fout. Autriche a pas d'héritier, on s'en fout. Et Autriche est empereur, on s'en fout. Je suis con, j'aurais dû prendre de l'influence sur le pape, je suis à 45 sur le pape. Ah oui ? Bah tu demandes, tu dois avoir des clercs, non ? T'as pas de clercs ? Ouais, mais je les taxe souvent, les clercs. Je peux pas envoyer d'émissaire au pape parce qu'ils ont pas 40 d'influence. Tu leur donnes les provinces. Attendez deux secondes. Mm-hmm. Vas-y. Alors, à la mort de Frédéric, premier de mes territoires ont été partagés entre ses fils. Ouais, d'accord, c'est juste pour me dire. Ah non, forêt de Ansbach, une dépendance de type partenaire mineur. Génial. Ansbach est mon partenaire mineur.
Je sais même pas où ils sont. Oui, t'as farmé une union perfide. Ah si, c'est la petite crotte ouais, rose-rouge, là. Ouais. Ah, collé à la Bavière. Donc du coup, si je bouffe le Würzburg, là, il y a moyen ah non, de c'est pas, jusqu'à la Bavière. C'est pas collé à la Bavière, c'est collé à la Saxe. Non, Andbach, c'est collé à la Bavière. C'est Würzburg au-dessus. Je confonds. Ah oui, je confonds avec en Alt ou en... Ouais. Enfin, oui. Voilà. Il n'existe pas longtemps dans la partie. Des Germains, on va dire. Oh, mais c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a 3000 hommes qui rentrent dans la guerre avec moi. Putain, c'est tellement le bordel, toutes ces guerres, que je sais jamais les troupes qui traversent. Je connais pas tous les drapeaux par cœur. Je fais des bêtises. Ah, région. C'est où ? Que évidemment, je préfère les bonnes. Suède, Gelre, Danemark, oui, j'accepte. C'est chiant de jouer sans les nobles. Moi qui joue beaucoup avec les ordres, pas habitué. Là. Ah, t'as pas les nobles ? Non, non, c'est une monarchie parlementaire. J'ai pas de noble. Ouais, ah, mais j'ai pas les bonnes. T'es au courant, le Brandebourg, que t'as 70 ans et que t'as pas d'héritier? Ouais, parce que mon héritier, c'est le mec qui a 70 ans, en fait, et il avait le même âge que le prince électeur. Je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai pas bien compris le principe. Non, mais la notion de prince électeur, c'est que c'est juste ton dirigeant, il s'appelle le prince électeur, puisque tu es électeur. Ah ouais, mais son héritier, depuis le début de ma partie, là, de la partie, ouais. Il a toujours... au max un an de plus ou un an de moins que le mec qui dirige, en fait. Et t'as pas de mariage ou... D'ailleurs, le mariage, oui, j'ai oublié de le refaire. T'as pas de risque d'union personnelle? Ah non, t'es en guerre. C'est pas de problème. Tant que t'es en guerre, t'auras pas de risque. Ah ben voilà. Ah non, Maria, nouvelle électrice. Avec qui j'avais d'autres? Hans Bach, je crois que je peux faire un mariage avec eux, non? Ah non, une nom personnel, c'est déjà fait. Hein. Je peux prendre une doctrine, mais je vais pas le faire. Je vais attendre d'avoir les points. La Bavière, vous voulez pas vous occuper des mecs qui sont chez moi là? Jamais. Bon, j'ai une brèche dans les murs déjà, ça c'est cool. Ça met du temps. Bon, on va aller voir ce que fait Blue, parce que de mon côté, c'est pas vraiment intéressant. Ah, merci, Bavière. Un peu d'impôt, ça fait du bien. Putain, et il y a peut-être moyen que je vassalise Liège, non? Ils ont qu'une province. Ils sont un peu loin, non? Prendre tout le beau. Je pense pas que ça joue, ça. Pourquoi tu vas vassaliser Liège? Je vais faire un trait, après. Je vais récupérer S, Cologne, c'est des petits pays. Ça va pas me faire une grosse expansion. Ouais. Ah, t'es mieux de vassaliser Cologne ou Mayence, dans ce cas. Des vrais pays, quoi. Un électeur. Mon problème de... Ah, le siège de Liège est tombé, très bien. Attendez, je fais une... Ouais, non, attendez, je fais pas de pause de suite, je vais attendre qu'il décide. Parce que la Bourgogne le claim pas mal, et la France le claim. Pour Liège? Ouais. C'est une culture française, je crois, Liège. Ouais, c'est ça. Non, Wallonne. Hein. Oui, mais dans le groupe de... D'accord. La sphère française, ouais. Non, je refuse. Attendez, je fais une pause pour le traité de paix. Ça marche. Alors, ouais. Magdebourg, tu vas me donner ta province. Il me manque que 4000 hommes. J'ai plus la revendication. C'est pas mal. Ah, moi, je suis à plus 5000. Ouh, attention. Presque fort. Attendez, je vais refaire une pause après. Voilà, le temps de récupérer le diplomate. Je suis désolé. Hein. Non, on sait ce que c'est. Liège, qu'est-ce que je peux te demander? Ouais, je peux la vassaliser, ça me coûte que 51% de score de guerre. Bon, ça me. Ouais, ça ferait une petite quoi, mais non, je vais pas le faire. File-moi des thunes, des repas de guerre, du transfert de puissance.
T'annules tout avec la bohème. Et... le Brunswick qui a plus existé. L'Alsace, vas-y. Voilà, hop. Et attendez, redernière pause. Par contre, tu sais que tu ne peux pas donner de province à Liège. Oui, oui, il faut qu'on soit limitrophe. Non, non, c'est que l'empereur va lui demander de la... Ah, je sais pas ça, non. Putain, maudit venant de trottin terrestre. Et repose, du coup. C'est la dernière, il y avait trois pays à sortir. Oh putain, je me tape une coalition pour deux provinces, mais non. Adieu. Non, attends, je vais leur lâcher la plus chère, mais... Bon, coalition du Brunswick, je m'en tape, Mecklenburg, Anhalt, ok. Ah, ça va, c'est Nuremberg et... Non, mais le problème, non, c'est si, que si plein de petites provinces comme ça, ça ouais. Fait mal. Hein. Non, puis il n'y a pas que plein de petites provinces, quoi. T'as la Frise qui commence à être un peu gros. Ouais, elle est pas mal, la Frise, ouais. Plus, je sais pas, 30 pays encore... Enfin, j'ai tout le Saint-Empire encore, en gros. Donc, ben, je vous prends pas Hanovre, je vous le laisse. Ah, et attends, si je la vassalise. Ça fait quoi comme... Ah, c'est moins méchant comme expansion agressive. Mais je suis bête. Non, mais je crois le vassaliser. J'ai jamais imposé l'embargo sur mes rivaux. Sur tes rivaux ? Ouais. Je l'ai fait très tard aussi. C'est good. Ça donne du prestige, c'est ça ? Non, de la démonstration de force. Ouais, c'est toujours bien. J'ai plus assez de rivaux, il me reste quoi ? L'Angleterre, la Pologne, la Savoie, Venise. On va prendre Venise, comme ça je vais rester longtemps avec eux. Oh putain, 50 du cas, ils font chier. Bon, les techs là, ça arrive, hein. C'est tellement long. Oh putain, l'Autriche, ils font chier. Ça va, je rattrape mon retard. Contre Liège. Moi, c'est pareil. Je vais pouvoir retaxer Liège. Bah oui, j'accepte. C'est le militaire, c'est super. En fait, un adorant. Les formes gouvernementales. Alors. Évolution mensuelle de l'autonomie. Ah, ça peut être sympa. Nombre maximal de cultures mises en avant. Ah. Toi, t'es entre plein de cultures, c'est intéressant. Ouais. Je vais faire ça parce que l'autonomie, à la limite. Tous les pays que je vais récupérer, c'est des trucs à la con. Ouais. Donc que ce soit à 100% d'autonomie ou pas, c'est pareil. Que la culture, comme tu le dis, ça peut être intéressant. C'est où la culture déjà ? Mercantilisme, oui, carrément. En gouvernement. Je perds combien par mois ? Oh, 0,21 ça. Faudrait que je fasse des bateaux de commerce aussi. Pour augmenter mon économie. Là. Ça coûte rien la maintenance de... Des bateaux ? Non. Des bateaux de commerce, pas de les vaisseaux lourds. Faut voir en fait quand tu les envoies au bon endroit, ils peuvent si tu récupères plus que ce que ça coûte en maintenance, c'est bénéfique quoi. Bon, la maintenance elle est de combien? 0,05 du cas par mois pour un bateau. Ouais. Bon, je vais en faire un déjà, histoire de. Le problème c'est que j'ai pas de marin. Maritime. Moi j'en ai 1140. Comment j'en ai 3000. Ouais, bah oui, non, mais l'Angleterre. J'en perds 10 par mois. Et t'es parti sur la colonisation ou pas? Je vais y aller, ouais. Moi, je vais. Attendez deux secondes, j'ai un événement là. Putain, moi, à part la Sibérie, je peux coloniser que dalle. Alors, j'ai le choix. Soit, en gros, j'ai plus d'union personnelle avec Ansbach, et j'ai un super héritier. Un super. Ouais. Soit je viens de perdre un stab et je repère un stab, je perds 10 en prestige et l'Autriche apprend moins 50 avec moi. Mais tant pis pour un cheval. C'est chaud. Sinon.
Oh, j'ai vraiment un super... Ah non, ah oh, ouais, 6, 4, 5, le mec qui dirige. Ah oui, ça va. Ah ouais, mais j'ai tellement de retard. Ok, c'est bon, merci. Du coup, je repère encore. Hop. Donc, qui est pas toujours l'Aragon? Ouais. Oh là là là. On va essayer d'aller faire des courbettes à l'Aragon. Non. Non, mais il y a des gens qui viennent occuper chez moi à Liège. Vous avez pas... Ça vous a pas suffi la première fessée? Vous allez où là? Rentrer. Au moment général, il y a 6 de manœuvre, les gars. Je vais vous rattraper. Cours, Forest. Bon, il reste chez eux. Ah, j'ai une légitimité de merde. Tu peux être allié avec nulle personne aussi. Sympa. Ouais, moi il m'en manque un. Ils forment un beau couple. Oh, mon dirigeant il a pris plus un. C'est 20% de chance, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Promulguer le Heretico. Kumburendo. J'ai jamais lu ce mot, je l'ai toujours mis dans ma tête. Oui. Oui. Tu vois, la première fois que je veux le lire. Et. Ok, bon. Tout est légitimé. Je prends mes techs au fur et à mesure, je vais pouvoir faire des canons. Un canon. Et je vais commencer à stabiliser l'économie. Le bateau. Mais j'ai pas fait un bateau. Je l'ai peut-être pas fait. Ou divisé un pot national carrément. Raguse, chez toi. Ah là là. Putain, la Hongrie. Ils sont éclatés par la Bohème. Donc, enfin, la Hongrie, ils ont été en guerre contre les Ottomans aussi, donc il y a peut-être moyen que ça pique. Par contre, là, c'est. Ils ont Venise contre eux. Partie d'attente, hein, parce que la vache. Je ouais, peux rien ouais, faire ouais, contre Moscovie. Ils ont le double de mes troupes. Ouais, c'est pareil, moi. J'ai deux techs en retard en militaire, ils ont les canons, les cosses, alors. Ah c'est vrai, il y a ça aussi. Moscou, c'était quoi? Du coup, ouais, voilà, c'est ça. Je peux faire un mariage royal en plus ou une alliance. J'ai qui en alliance? L'Angleterre, tu veux t'allier avec moi? Fais gaffe, hein, parce que... tu vas être entraîné dans des guerres, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Bah... Ouais, si tu veux, avec un mariage. Moi, je veux bien, mais avec un mariage. Attention, hein. Pim. Mais j'ai pas de. Merde, j'ai pas de diplomate. Mais propose si t'as des diplomates, c'est les réseaux d'espionnage. Ouais. Bon, après, y a pas d'urgence, mais. C'est que j'avais une place en plus. Moins 6 en prestige, 17 en légitimité. Moins 55 en prestige. En échange? Ouais, mais t'as, toi t'as déshérité quelqu'un. J'ai ma reine non, qui vient de passer c'est... l'arme à gauche. J'ai perdu deux guerres, Miron. qu'est-ce que je voulais voir hein. Ouais, construction, je voudrais bien le faire. Mais... J'ai des films. T'as Moscovie 557. Ah ouais, technologie militaire, je suis à la ramasse. Moi aussi. Ah, ils sont... Je suis à 7. 6, 6, 7. Ah, je suis à 7, 6, 5.
Moi, je suis à 6, 7, 5. Ah non, technologie militaire, je suis loin. Loin, loin, loin. Ouais, bah, je suis comme toi. Bon, je vais bientôt avoir la 6, quand même. Moi aussi, mais c'est parce que j'ai développé le pays, j'ai pris un peu de retard. Bah, j'avais Londres qui était à 18, je crois, elle est à 31. Bon, je reviens, deux minutes. Ouais. Vas-y. Ouais, ça va le faire. Sans moi, j'en ai pour peut-être 10 ans avant d'être ok, encore une fois. Non, le problème, c'est qu'à ma gauche, il y a la Pologne. Donc à ma gauche, il y a la Pologne. Au sud, il y a la Crimée, mais c'est ottoman. Et à droite, il y a la Moscovie. Et au nord, la Suède. Ouais. Bon. Ouais. Alors, je suis un peu coincé, là. Si j'attaque la Moscovie, la Pologne vient pas. Le problème, c'est qu'il me reste que Riga, en fait, à les taper pour pouvoir faire l'événement avec la Pologne. Donc, il n'y a que ça, quoi. Mais Riga, c'est encore le truc à la con, avec Brême-Hambourg, Lübeck, l'Alsace et Clèves aussi qui ramènent sa poire. Par contre, la Pologne vient. Bon, il y a peut-être moyen de mettre... T'as Théodoros, si tu veux que tu veux prendre... C'est un carrefour commercial. Conquête de la Dalmatie. Oh putain, Autriche annule tous les traités conclus avec Brandebourg. Blue. Les salauds. Si on retente la guerre Riga, donc ça va être les mêmes mecs, mais avec Brême, Hambourg, Lübeck, Dithmars, Alsace et Clèves... Sauf que je peux appeler la Pologne. Ah bah ça fait un peu la différence. Ouais. On se tente ça ? La grille est en train de se faire éclater. On se tente ça ? Comme ça tu pourras récupérer un peu de pays toi. T'as des revendications sur les territoires à côté ? Genre Brême, Hambourg, Lübeck. Non. Je suis en train d'en faire en Saxe. Mais ouais, donc si je déclare, t'es chaud pour venir. Ouais, j'aimerais bien faire juste un canon. Ah, ça, j'ai pas de canon, quoi. Parce que Riga, moi, ils ont que 4 troupes. Après, j'ai la Pologne pour faire tampon. Donc ça serait pas mal. Donc ouais, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, là, putain, la Pologne, ils ont bouffé Danzig. Mes revendications, c'est contre eux maintenant. Je vais avoir une union personnelle à la mort. Guerre de succession entre Angleterre et Lituanie. Hein ? Guerre de succession entre l'Angleterre et la Lituanie ? Oui, pour avoir... Le mec, il meurt, ouais. En gros, on va se fighter tous les trois si... Bon, il a 23 ans et j'ai 3 mariages... mariage. Bah oui, ouais, parce que je suis marié, ouais. Je suis marié à Blue. Bah oui, moi aussi. Pas honte. Polygame. Ouais. C'est combien le prix des canons, putain, 30. Alors par contre... Ah bah, plein toi, t'en as. Tu peux en avoir. La marine, j'en ai pas besoin. Ouais. Pardon. Ah si, modif national d'impôt chez le pape, ça c'est bien. Clèves. Je refuse. Ah, j'ai un héritier tout pourri. 3-1-2. Heureusement que j'ai un super dirigeant. J'espère qu'il va pas crever. Bon, j'attends que mon moral soit à fond et je déclare. Je vais attendre un peu. Il y a des hérétiques en Pologne. 34 000. 4000 hérétiques. Saleté d'hérétique. Je partirais bien en guerre contre... Ah ouais, attends, non, je vais partir en guerre contre la Bohème. Il n'y a que Nuremberg qui vient en face avec eux. Ou alors on fait deux guerres simultanées. La Bohème, tu vas peut-être avoir du mal là parce que...
pas certain, hein. Ça fait longtemps qu'ils sont en guerre, ils doivent plus avoir beaucoup de réserves. C'est ça, 73 de réserves militaires, et ils ont 21 000 troupes. Ouais, on saute dessus. Moi, j'ai 21 000 troupes, et j'ai 21 000 de force. Oh, mon général Kikorovic, il est mort. Il a trébuché. Mais c'est pas grave, j'en ai un autre qui court vite. C'est le même. C'est la gueule. Ça fait truc cesse aussi. C'est pas une blague, il a 600 manœuvres. Il a un siège par contre, lui. L'autre, il avait 0, je crois. Bon, ouais, je vais sauter sur la bohème. Ah, et je peux faire un canon. Là, alors, j'ai très bien ça. Moscovie a accepté de solder la première armée. À la première armée, donc. 6 régiments, une cavalerie de grande horde en tant que compagnie mercenaire au prix de 0 par mois. Ah bah. La bonne affaire. Mec, il est arrivé, ils ont fait ouais. L'expansion. Ça, c'est du solde. Oh, les hérétiques, ils sont en train de manger. Oh. Il y en a. Elle est puissante, l'armée. Ouais, c'est pour ça qu'on. Je vais rentrer en guerre. C'est des mecs en super. Tu peux voir combien ils ont de canons ? Ah ouais, je peux appeler la Bavière, hein, parfait. Ouais. Pas de canon. Ouais, j'y vais. Ils ont pas de canon ? Non. Donc du coup, si je t'appelle, tu viens aussi ou faut attendre un peu ? Ouais. Non, tu viens aussi ? Je peux venir. C'est quoi ? Répète-moi les pays, je vais regarder vite. Les mêmes que tout à l'heure. ce sera Brême, ouais. Hambourg, Lübeck, Dithmars, Alsace et Clèves. 11 000 troupes, 7 000 troupes. Brême, Alsace, putain, c'est 4000, mais ils ont 11 000 de réserve. Lübeck. Ah, Lübeck, c'est un tréma, je crois. Ouais. Et après, voilà, j'appelle la Pologne aussi, donc. Oui. Je peux appeler Gênes aussi, si j'ai envie. Tiens, allez, juste pour le fun, je vais appeler Gênes. Voir ce qu'ils foutent. Guerre civile en. Ouais, vas-y, appelle. Je pense que je peux faire les deux guerres en même temps. Je vais voir comment se déroule la première et après la deuxième ensuite. Ouais, de toute façon, je démarre ça dans 2 secondes. Ouais. Saute dessus. J'ai des rebelles. Ok. Je peux pas y aller. Voilà. Là, je vais enfin avoir putain de Riga. Ça va faire plaisir. Donc, les troupes de Riga sont presque mortes. Le siège a commencé. J'ai un plus 3 en siège, donc tranquille. Ah, je peux pas convoquer l'assemblée, je croyais. Ok, j'ai éclaté. Une première troupe. C'est vrai que Riga, c'est un fort. C'est niveau 3. Ça pique un peu, mais ça devrait le faire. Ouais, il y a la Pologne qui part faire mumus là de son côté. Ah, parfait. Oh, ils arrivent à 40 000 hommes, ça va. Voilà. Non, c'est pour ça que la Pologne. Vaut mieux l'avoir dans son camp que contre son camp, sachant qu'attends, c'est quoi son général, elle ? Arrête de bouger. 1, 6, 1. Ah ouais. J'ai fait un emprunt il y avait longtemps. J'ai pas encore d'emprunt moi. Ah si, j'ai fait un emprunt. Ah. Putain, j'ai presque envie de déclarer la guerre pendant celle-ci. En me disant, si je suis assiégé par la Bohème, la Pologne viendra d'assiéger. Oui, mais il se battra pas contre la Bohème. Non, vous pouvez mettre en vitesse 2 si vous avez une guerre compliquée. Hein. Non, là ça va, il y a Pologne qui fait le ménage. Bon, je regarderai les doctrines après. Parce que là, la Pologne, ils se baladent, je sais pas trop pourquoi. Pour où ils vont ? Ils vont. Attends. À Clèves. Non ? Non. T'es sûr ? Si, Clèves, le truc jaune. Enfin, jaune. Il y a l'Alsace qui a 17 000 troupes. D'accord, donc Hambourg et l'Alsace, ils ont envoyé toutes leurs troupes. Donc il y a Alsace, Dithmars, Clèves et Hambourg qui sont en train de siéger Gênes. Moi je vois que Gênes sur l'Alsace. Ah non, il y a siège Gênes. Ouais. Ah oui. Donc c'est bien en fait, on a utilisé Gênes comme appât. C'est...
Okay. Il y a Hambourg qui va mourir. Bon, morale navale, on tape. Ah, j'ai perdu mes revendications sur le game. Et on va les refaire. Et la S aussi, on va les refaire. Il y a quoi? Bourgogne, Clèves, Mayence, Trèves. Ça va un peu plus vite pour faire une brèche dans les murs quand il y a au moins un cas. Ouais. Ouais, puis Je pensais pas que ça faisait autant de différence, quoi. Si, si, un, ça fait énormément de différence. Parce que c'est pas mon général avec son homme de siège qui fait la différence. Ouais, je vais plus vite que... que les polonais pour faire tomber le truc. Danemark qui est en question chez moi. Ouais, si, ça va le faire. Je fasse gaffe quand même, pas dépenser tout. Je peux avoir une autre doctrine, okay, mais on va se calmer. On va remporter le siège de Brême. Et après, c'est quoi qu'il faut aller taper? Riga, t'es dessus? Alors, Riga, c'est fini. Bah, alors, c'est la fin là. Il manque un siège. Il manque un siège. Il manque au-dessus là, c'est quoi? C'est Dithmars. Ah, si, Clèves, j'y vais. Dithmars, il y a la Pologne dessus. Lübeck. Ah non. Non, non, on peut pas y aller justement parce que la Pologne n'est pas finie. Ça va. Alors attendez, est-ce que. Je peux pas vassaliser un état de la de l'Empire, on est d'accord. Bah tu sais, tu peux le vassaliser, oui. Mais ça a créé des problèmes avec l'Empire. Ah bah oui. Donc je peux pas le vassaliser, beaucoup. On est d'accord. Tout est possible, tout est réalisable. Il y en a qui ont essayé. Ils voilà. Ont eu des problèmes. Cela dit... C'est vous qui voyez. Non, on va faire rêve de guerre. Donc voilà, Lübeck est sorti. Mais t'es chez moi ? Ouais, je visite. Allez, ils sont cons, putain, ils ont mis 10 ans à réagir quand je leur ai dit, putain, il y a un séparatif. L'Alsace, tu veux ou... Est-ce que je la veux pour moi ? Ouais. Mais je peux pas la prendre. Je peux te la filer, c'est moi qui contrôle. Regarde, hop, c'est toi qui l'occupe. Je pourrais pas la légitimer. Ah bah non. Par contre, Hambourg, tu veux ? C'est où Hambourg ? C'est l'orange là-haut ? C'est à côté de chez toi. Est-ce que je peux avoir une vitesse 2, s'il vous plaît ? Je veux bien, ouais. Je veux bien Hambourg. Alors, Hambourg. Tu veux que je te rende l'Alsace pour avoir plus de points? Non, non, non. J'ai 99 points. Ok, je crois que ça a changé si tu veux me rendre. Alors, pourquoi ils veulent pas? Qu'est-ce qui me coûte si cher? Offre de paix actuelle, durée de guerre, moins 26. Ça, faut attendre un petit peu. Maintenance des forteresses, mais j'en ai qu'une. Tu vas me dire qu'elle me coûte 5-10 la maintenance de ma forteresse? Ah non, j'en ai deux. Enfin bon, ça fait pas 5-10. Alors, 1-0-2, donc l'Alsace, ouais, non, l'Alsace, on va faire paix blanche. Demande-leur des thunes. Réparation de guerre. 35, bon, c'est tout ce qu'ils peuvent filer. C'est génial. Hop. Il y avait qui d'autre? T'as Brême, t'as Hambourg. Ah, je veux bien Hambourg aussi, parce qu'avec le port, je peux le légitimer. Ouais, non, mais c'est pour ça. Brême et Hambourg, je sais pas si c'est possible. Brême, je sais pas si tu peux l'avoir. Une fois que t'as. Faut que je te file Hambourg d'abord et après Brême. Quand j'ai Hambourg, ouais. Nouvelle revendication.
Voilà, réparation de guerre. On clève. Hop, c'est parti. Donc Brême essaie de tomber, on attend juste que Dithmars tombe. Je me demande si je vais pas aller là-dessus. Ah non, c'est bon, je vais dire si je vais pas les aider, puis ça fait que ça tombe plus vite. Tiens, bah hop. Voilà, Hambourg c'est chez toi, Brême. Ça arrive. Et si tu veux Dithmars, je peux te filer ça aussi. Par contre, regarde si ça te met pas... regarde si t'es bien au niveau coalition d'abord. Non, arrête. 70, non. On va s'arrêter là. Tiens, prends. C'est... Un million. Allez, je te... Alors ça, c'est un truc de pute aussi, c'est que je peux vraiment t'envoyer des trucs... Non, je veux pas. Oh, la bohème, on rejoint une coalition. Ok, non, attends. Ou la bohème, tu veux leur marcher dessus après. Pays outragé. Voilà. Faut vite légitimer, on est en surextension trop longtemps. Ah, il y a du monde quand même là sur la quoi. Ouais, donc. Pologne, Lituanie et je crois Bavière. Ouais, qui viennent. Donc, juste des rêves de guerre. Ah, l'Autriche, je peux faire une alliance avec eux. Tu veux plus de contrer. On est d'accord que Brême, je relâche. Ouais. Dans 5 ans, je peux me réallier à l'Autriche. Et Dithmars, c'est pareil, je relâche. Oui. Vas-y, relâche-toi. Il y a trop de monde qui rejoint la coalition. Il en peut plus. Putain, je pourrais avoir tellement de vassals, mais je pourrais avoir tellement de problèmes aussi. Comme moi là. Ah, t'as pour oublier la coalition. On va... Voilà, et maintenant, Riga, c'est pour moi. Putain, il y en a trop qui rejoignent la coalition, c'est chaud. C'est chaud. Je prendrais bien une doctrine novatrice. Voilà, guerre finie. Alors. Oh, tu me dois 26 points de faveur. Je fais des jets. Zéro en jeu. Tu te touches. Comment ça, je te dois 26 points de faveur? Bah oui. Grâce à... Ah ouais, t'as Lituanie. T'as participé à une guerre que j'ai déclarée et que la Pologne a gagné tout en te filant un pays. Et 26 points de faveur pour une coalition, moi je trouve ça pas très cher payé. Ouais, non mais... Pour juste Riga, quoi. Eh, j'y peux rien, moi, si tes voisins, ils sont frileux. J'hésite sur les doctrines. Une doctrine d'influence, ça peut être bien. Alors, on peut maintenant avoir imposé l'union. Je sais pas. La Pologne et la Lituanie sont condamnées à unir leur destin, que les Polonais le comprennent ou non. Nos pays doivent être unis désormais nous sous l'autorité d'un souverain unique, légitime et véritable. Moi. C'est pas marqué moi, mais je le sais que c'est moi. Par contre, ça me coûte cher, là. Toc. Seconde. Voilà. Les mecs, ils sont en train de se préparer à m'éclairer la guerre, là. La Saxe qui m'insulte. Ah. Je sais pas si je vais venir. Analt qui m'insulte. Adieu. Je vais réfléchir. Tu sais, je suis loin. Y a un joli pays entre toi et moi qui est la Pologne. Ça dépend qui est en face, qui est avec toi pendant la coalition. Oh, l'Autriche qui me demande Hambourg. De toute façon, il n'y a pas de problème. Attends, qu'est-ce qui se passe si je refuse les faits pour la province? Ah bah là, c'est coalition dans ta tête, hein, a priori. Mais... Ouais, putain, il me demande Hambourg, forcément. Bah je leur rends, vous faites chier, mais... Tout le monde m'insulte. Voilà, guerre. Ah, tu m'as appelé moi aussi? Ah, bah il est allié. Si tu m'as appelé.
Vous êtes allié. Non, mais c'est les comment les guerres de. C'est une guerre défensive. Coalition. Ah d'accord. Bah, je dis oui, hein. J'ai gentiment dit oui parce que j'ai de l'impôt de guerre gratuit. J'ai pas de troupes. Ah. Il y a du monde en face ou. On sait pas. On est Chapelle, en. Anhalt, Bohème, Brabant, Hesse, ouais. Hollande, Mayence, Mecklenburg, Münster, Nuremberg, Palatinat, Saxe, Saxe-Lunebourg, Wittsburg. Hollande. C'est pas énorme en troupes, mais c'est des petits paquets de 8-10 à chaque fois quoi. Bon, j'ai accepté. Pour pas perdre le prestige. par conviction. Je passe la technique. Mais... Enfin là, ils sont quand même 23 chez toi quoi. Ouais, mais je vais aller péter déjà là-haut. Ouais, non le mais. De les faire sortir. Ah, j'ai pas. Ouais, alors ils sont tech 8, hein, je suis tech 6. Ouais, le problème c'est ça aussi. Je suis tech 8. Pas moi, je suis tech 7. Je suis tech 6 aussi. Hein, je suis que tech 6, hein, donc. On va y aller mollo. Si t'es d'accord. Allez, éclatez-les avant que les 6000 y renforcent là. Ça va durer une plombe, les 9000 vont renforcer derrière. Et... Par contre, je peux te faire des blocus Navo. Navo. Narvalo. J'en ai éclaté 26000. Oh putain, il y a 39000 gars qui arrivent, je me barre. Ah. De toute façon, prestige, j'ai plus rien en prestige, genre ça me sert à rien. Attends, parce que là j'ai. La guerre s'en prend à la Bohème, ça c'est cool. Le truc c'est qu'il faut remporter des victoires sur le champ de bataille. Et comment faire pour qu'il saute dessus de l'antenne. Oh mais il va trop vite cet enfoiré. Il y a un peu de monde quand même. Hein. Un peu ouais. Là il y a 20... Il y a pas mal de gens de Bohème qui arrivent sur toi là. Ouais je pensais avoir le temps mais je me barre avant. Ah bon attends parce que je vais rester derrière ton fort alors. Pas peut-être déconner. Pas envie de mourir non plus. Qu'est-ce qui fait la gueule des nobles. Sur qui on peut taper là, ils ont tout paqué au nord là, c'est impossible de les choper quoi. Ils jouent trop bien l'IA. Attends, je suis en train d'essayer de me taper Mecklenburg là, gagner des batailles comme tu dis. Bah y'a que ça en fait, hein. Les faire sortir de la guerre, les occuper c'est pour les faire sortir de la guerre mais... Tu peux pas encore gagner du score. Non, mais pour qu'ils acceptent plus facilement la paix, quoi. Mmh. Si t'as pas gagné une bataille, tu vas pas monter le score de guerre. Hein. On vient de gagner 4%. C'est pas très grave si on m'occupe. Quoi. Tiens, je vais venir avec toi. Il y a les 20k qui arrivent. Putain, ils viennent sur la Bavière. Hein. Là. Il y a moyen que ça ait le temps de renforcer avec nous deux. Surtout que mon mec il a. Ouais, il a 6 de manœuvre. Oh putain, cette bataille. Parce que c'est défensif en plus, hein, donc. Ça y a 18 000 qui arrivent en plus. Ça devrait tenir. Attends, j'en ai 15 qui arrivent derrière. 38 000, ouais. C'est. Mais 15 000, ils seront pas trop là. Donc, j'ai un bon général qui arrive là. C'est bon, on a quand même gagné. Score de guerre. Tiens, je vais encore en éclater un. Parce qu'ils sont 15 000 hein, donc. 15 qui arrivent là. Yes, plus 3 de score de guerre. Ils tapent le malus. Parfait, ça tourne bien. Ça s'est joué à une seconde. Par contre, les alliés, vous voulez pas.
Rejoignez-moi là. Mais... Là, on va avoir mal là. Là, on a eu mal là. Ouais, rejoignez-moi. J'ai encore 14 minutes de manpower. Ça va pas trop. J'en ai 19 000, mais c'est juste qu'il faut qu'on reste. Ouais, on va perdre le siège. Oldenburg qui est. Oldenburg, c'est. Rayé horizontal avec les jaunes. Donc c'est eux qu'il faut fatiguer. Ouais, ils sont en train d'essayer de m'enculer, mais ça va pas le faire. Ah, j'ai qu'un général. Mais ça va pas, ça. Ça va pas du tout, ça. Je sais pas si avec le peu de morale que j'ai... Ouais, non, je vais perdre. Casse-toi. Hop. Désolé. Mais... Là, ça passait plus. Et l'Angleterre, elle veut pas venir? L'Angleterre, elle est... Ah mince, pardon. Je te voyais pas. Elle fait un blocus maritime. Et... Elle a 4 points de siège. Donc sur la Clément. Sur la Clément. Mais j'ai 0 réserve, donc je suis sur mes réserves. Hein, sur inexistante. Non, mais je vous aide un peu. Ouais, faut que je récupère un peu. De péter les petits paquets de 1 mec. Mais pas non, en mais bataille. C'est ce qui fait bien, mais... Ah non, on s'est pris 2 grosses défaites. Alors, je regarde au niveau de mes ordres pour récupérer un... Ah, il est à 70 quand même. C'est au-dessus de 100... C'est à 100 ou c'est au-dessus de 90 que ça crée un problème? À 100. Tu peux monter à 90. Mais par contre, t'es pas à l'abri d'un event qui leur donne 10 d'influence d'un coup comme ouais. Ça. Ouais, c'est le problème. Donc on va attendre. Par contre, lui, il me faut... Toi, il me faut un général. Mais général, il va être dégueulasse. 0, 3, 0, 0. Ouais, pas top. Je vais me caser derrière mon fort. Ouais, il y en a qu'un que tu peux sortir. Hein. Gêne. Ouais, Gêne va te faire foutre. Alors là. Je vais pas me faire une autre guerre. J'ai perdu du prestige. Rien à battre. Ah, ils sont trop là. Je vais pas tenir. Mais la Bavière, mais t'es allé. Ah non, une guerre défensive contre l'Autriche, non, c'est mort. Je perds 25 de prestige. Hein. D'ailleurs, l'Autriche, putain, si on avait pu s'allier, quoi, avant la coalition. Oh, ils sont en train de partir, je vais leur péter 8000 mecs. Ouais, fais le ménage de ton côté, parce que là, il y a... Mais ils sont en train de tous venir chez toi, je crois. Ouais, c'est ce qui m'emmerde un peu, là, pour... plus grand monde chez moi. Pour être honnête, je suis pas sûr que j'apprécie. C'est... Là, il y a... Prendre un canon de plus déjà. Parce que 20 000 chez Bibi là, je suis pas sûr que ce soit tip top. Ils sont nombreux. Mais là, c'est un 104 jours pour. Oh là là. C'est un canon, mais c'est tellement long. C'est quand que tu peux arrêter la coalition là? Il y en a un qui sera en élevé, hein, qui sera ouais. en moyen. Enfin, le principal d'ailleurs. Ouais, tu peux faire une paix blanche, mais bon. Ouais, non, mais j'aimerais bien une paix blanche, mais je peux pas. Tu peux assiéger Oldenburg? Vu que c'est lui qui a lancé la coalition. Va faire défoncer quoi. Ouais, non, faut qu'on fasse du score de guerre, tant qu'on a pas 10%, on peut rien réclamer. Moi je veux bien, mais là le problème c'est qu'ils sont beaucoup quand même, et chez moi, je fais tampon avec les différentes villes, mais je peux pas faire grand chose. Ils sont combien? 13 000, ah non, t'as lancé l'assaut? Ouais. Ah, mais par contre ils ont des généraux quoi. Ah non mais c'est la Pologne à côté, j'étais là, fais gaffe, il y avait un cas quand même. Mais non, c'est bon. Ouais, mais j'aimerais bien qu'ils viennent en fait justement, eux. Ça... Ça m'arrangerait parce que là je suis en train de paumer. Ça va pas tenir. Tu vas avoir le temps de renforcer si. Moi j'ai pas le temps. Et j'arrive par derrière et je suis bloqué. Donc adieu moi.
Ouais. Allez, casse-toi, casse-toi. Merci. En guerre contre France, Aragon, Naples, Raguse, oui. Et mon armée bat en retraite vers chez toi, en plein milieu du... Sympa. Pas con, les mecs. Par contre, ouais, il y en a 24 000 chez moi. C'est là où il y a le plus d'alliés, quand même. Ouais, mais le problème... à faire tomber le siège, tout le monde. Oui. Où qu'il est, Pim. Ah bah, 3 points de siège plus 2 points de blocus maritime. Le fort niveau 3, il a pas tenu. Hein. Ah ouais, ouais, non, ça j'ai va. J'ai niqué leur bateau. Ça fait des batailles aussi, les batailles navales. Ouais. J'ai essayé de les choper par ça, moi. 3 pipes de siège, c'est vrai 4. Que... Par contre, moi, s'ils me demandent de me barrer, je me barre. Hein. je te le dis direct. Hein. Je suis un allié, mais je suis un peu frileux quand même en ce moment. Les bons potes. Ouais. Je sais pas ce qu'il faudrait. Non, mais je peux pas leur lâcher quelque chose, c'est pas possible. Non, là, c'est trop tard. Là, ils vont te demander l'entièreté de ton pays. Hein. Tous les trucs que t'as annexés depuis le début. Oh, il y en a 15 000 qui arrivent sur ta tête là. Ouais, ouais. Revenez, barrez-vous les gars, barrez-vous. Allez, 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 allez. Oh putain, non. Ça va, j'ai pas perdu beaucoup de monde. Mais faut ressortir derrière le fort. T'es parti par où là? C'est éteint là. Je vais prendre une tête. Ah, c'est pas top. T'aurais dû rester à Uckermark. Parce que là, c'est éteint, t'es pas à l'abri de ceux qui arrivent à droite. Uckermark, t'es protégé par Greifswald. Je la vois pas, Uckermark. Bah, là où t'es, là. Ah oui, oui, c'est bon. C'était ce que je visais, en fait, j'ai cliqué à côté, mais oui. La loi sur uniformité, puissance démissionnaire, non. Je m'en tape. On est à moins 17, là, par contre. Verdun a rejoint une coalition contre moi. Ils se barrent là-bas, il y a moyen de leur sauter dessus. Ah super là-bas, la Bavière qui se barre. Il n'y a plus que nous. Dont la Lituanie qui est en moyen. Ah je sais pas si je vais arriver à temps là. Il faut juste que j'arrive à les péter avant. Ah là, ça va. Non. Ça ah va. Et merde. Moins 4 de score de guerre. Ils ont un malus, et après t'as une texte, t'as un peu de retard. Oulala, non, barre-toi. Ouh, mais je me barre trop loin. Je me barre au pays de Pim. Au pays de Pim. En Hollande? Par contre, c'est ouais. En train de lâcher l'affaire chez moi, donc je vais redescendre et je vais aller taper les petits bonhommes là. T'as la bohème. Ah, mais t'as 13 000 gars là-haut. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que j'ai déjà plus de réserve militaire. C'est en moyen, la Hollande est en moyen. Ouais, mais on est à moins 15. Offrir, suggérer des offres. Qu'est-ce que tu veux? Je libère la Poméranie, Magdebourg et Lunebourg en tant qu'état souverain. Non, mais c'est mort. Non, parce que la Poméranie, c'est genre la moitié de ton pays, non? Oui, c'est tout le nord en fait. Toute la côte. Ils sont où, mes gars? Ah non, mon général, il est mort. Bah, tu. Avec les 3 points de siège. Tu prends un mec là et tu le fais venir à côté là où t'as libéré. Tu reviens oui, général. Mais... Et... Ah, oui, avoir les plans. Bah oui, oui bon. C'est ça le problème. Les ordres là, s'il vous plaît. Combien? Oh putain, encore 8 ans avant d'avoir des troupes. Là, je peux plus rien faire. Ils sont quelques-uns chez moi, mais... Je sais pas comment je gagne des thunes par mois. Ton pays n'est pas vraiment occupé, en fait. Allez, oh, moins de prestige. Compliqué. Là ils sont tous en train de traverser et de revenir chez moi, salaud.
Pourquoi ? Alors, ils sont partout. Hein. Après, il y a des guerres internes aussi avec des pays qui sont en coalition contre nous. Genre la Hesse, elle est en guerre contre Cologne, par exemple. La Hollande est faible. T'as pas moyen de... Ah non, tu peux pas faire de paix séparée. Non. Il y a que la Saxe-Lunebourg. Ah, oh, je perds un de stab, putain. Bon, j'en ai trois, t'en veux un ? Si seulement. Ouais, heureusement, j'étais à un. En même temps, s'il y a des rebelles, c'est pas plus mal, ça peut leur péter les effectifs. Vas-y, bon, fous le pays en feu. Ah, mais je peux même pas passer, parce que j'ai pas le droit de passage à Geldre. Ah, je passe par là, d'accord, ok. Attends, je pourrais faire une doctrine diplomatique. C'est quoi en deuxième doctrine qui pourrait être pas mal, diplo ou administrative ? Je vais aller siéger Oldenburg. Bah, administratif, si tu fais pas trop de légitimation, ouais, tu peux la faire facilement. Vu où t'es placé, je sais pas trop. Ça pourrait être intéressant. Novatrice. Religieuse. Religieuse. Un peu tôt, peut-être un peu tôt. Ouais. Quoique, on est en 96, la réforme va prendre. Parce que faut voir le malus que t'as avec tous tes orthodoxes. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Ce que je suis en train de me dire. Donc religieux, ça appartient... Parce qu'il y a ça, il y a humaniste aussi, qui est pas dégueulasse. Mm. T'as pas moyen de ramener tes troupes, Pim, vers moi, là ? Tant pis pour le siège, hein, parce que Brabant, je suis pas certain Attends, que ça va grand-chose. Attends, je suis à plus 21. Bah si, parce que j'ai la bataille navale qui arrive juste. Ah oui. Et mine de rien, je vous ai fait 28% des... Je vous ai fait 26% des batailles. Hein. En 15 bateaux niqués. Où c'est que tu le vois ça ? Moins de 30. C'est pas mal ça. Dans le rapport de guerre, t'as la participation. Toi t'as 43, moi j'ai 26 et Gwenzi il a 21. Ouais, parce que je vais faire une doctrine religieuse parce que si je pars vers l'est, de toute façon il va falloir que je convertisse un paquet de monde. Alors attends, mon roi est mort, j'ai des rebelles. Ah, ils sont 8000 chez toi. Ouais, ça va, t'as 11000 troupes au nord, là. Ouais. Bon, je vais faire mieux que ça, hein. Ouais, je serais pas contre que ça s'arrête, là. Ouais, je perds mon pays, là, si je fais ça, là. Mais je crois qu'il y a pas grand-chose à faire, là, malheureusement. Et je ne suis plus excommunié. Parce que ton pays, attends, je suis en train de siéger. Je suis en train de siéger Oldenburg. Oh, guerre punitive contre le Brabant de Verdun. Ah, tu nous rappelles, du coup. Non, mais c'est une guerre défensive, c'est automatique. Ah ouais, je sais. Bon, attendez, pause. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, je peux refuser, mais c'est mal barré pour ta gueule, quoi. De toute façon, ouais, accepter, ça sert pas à grand-chose. De quoi ? Ouais. Parce que, de toute façon, on est en train de perdre la guerre qu'on a, donc aller dans une deuxième guerre, ça va pas forcément être... Si, parce qu'en fait, ils sont que 4 dans la deuxième guerre. Cologne, Frise, Geldre, Verdun. Non, non, il y a Verdun, Cologne, Frise, Geldre, ouais. Brême, Saxe-Lunebourg, Mecklembourg, Flandre. Je les ai pas, moi, ceux-là. Bah, dans l'appel, en fait, ils le mettent. Oui, Verdun, ouais, Verdun est allié à Brême. Ils ont pas rejoint. Ouais. Non, mais bon. Le truc, c'est que si je demande la paix et que je fais suggérer les offres, c'est même pire, là. Je cède Basse-Lusace à Bohème, Brunswick à... Je leur cède la province que j'ai prise à Brunswick. Je libère Poméranie-Brandebourg, Lunebourg, et je donne 40. Ouais, tu reviens au début de la partie, quoi. C'est ça. Bah, j'ai pas le choix, non ? Ah là, je vois mal comment on va faire, en fait. Non, ouais. Ouais, moi, j'ai pas de troupes, donc... Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas... Je fais comment avec la deuxième, quoi ? Bah attends, j'accepte la première. J'accepte et puis tu finis la Koa. Et derrière, moi je suis sur ta deuxième guerre. Et derrière, on essaie la paix sur la première. Pareil. Ouais. Voilà. Et maintenant la deuxième. Ouais, la deuxième en face, il y a 4 pays. Ça va. On devrait y arriver. Sachant qu'il y en a un, il a déjà 7-18 de 7-2 de lassitude de guerre.
Mais il était déjà dans la première, à mon avis. Voilà, ils sont tous en rouge, en lassitude de guerre. À mon avis, ils vont vouloir terminer le truc assez rapidement. Le problème, c'est d'aller là-bas, quoi. Verdun, ouais, je viens d'y passer à Verdun, ok. Au lieu, je rentre chez moi. Alors, moi, j'ai pas de troupes, mais je vais quand même en envoyer chez toi. Ouais, j'arrive. Okay. Non, mais tu devrais aller là. Bah voilà, t'as j'éclate Verdun au passage. Par contre, pourquoi on n'a pas les effectifs en mode multijoueur, cette information est cachée. Ouais. Je sais pas. Je peux pas savoir ce qu'il y a en face. Ouais, mais du coup, là, il n'y a pas moyen de récupérer quoi que ce soit. Ils sont même pas limitrophes avec moi. Oh merde, j'en ai chopé au passage, je les ai pas vus. Bon, je vais les battre, ça. Non, mais ça va être assez rapide de faire une paix. Tu devrais pouvoir faire une paix avec. Comment. Des reps. Ça, pour le coup, ça devrait t'aider à remonter un petit peu. Ouais, ou alors j'en vassalise un. De toute façon, je suis en trait avec l'entièreté de charge là. Après, faudra aller taper la Poméranie. Il va falloir que je vois comment je peux m'occuper de la Pologne. Ouais, sauf que j'ai plus les revendications sur la Poméranie. Et non, ça se fabrique, hein. T'es en trêve jusqu'en 512, donc ça va. T'as 15 ans pour fabriquer putain, une. Ça fait trop chier. Quelques revendications. Ah non, mais c'est. Je sais pas, c'est les parties en multi où tu commences, tu grossis bien, et puis d'un coup, poum. Non. J'aurais pas dû prendre les pays que tu m'as filé en fait. Ouais, alors c'est le seul pays que je t'ai filé qui t'a. Ouais, faut faire. C'est Hambourg, quoi. Hambourg, ouais. Des autres. La Poméranie, on va recommencer. Non. La Bohème, j'ai mes revendications. Alors, si j'arrive à me choper la Pologne, là, par contre, on est bon, quoi. Quand je regarde mes missions. Eh ben, on est pas rendu. On peut se remettre en vitesse x3 si vous voulez. Hop, c'est parti. Bon, je vais avoir le temps de regarder mes doctrines du coup. Moi, j'explore le monde. Je prends les doctrines d'espionnage, je crois. Même pack de l'expansion agressive, moins 20%, c'est quand même. Coût de fabrication des revendications, moins 25%. Corruption annuelle, moins 0,10, ouais. Comment je peux faire pour récupérer la Pologne, ça me. Demande accès militaire de la part de Florence, non. Bah déjà, faut que tu aies un prestige élevé régulièrement, histoire que. Il est en légitimité moyenne, tu vois. T'as la même dynastie, tu peux le. Ah mais c'est un problème. Ah mais t'as pas la même dynastie. Par contre, on a la même dynastie tous les deux. Non mais je suis marié avec lui, donc je sais pas pourquoi. Ah, je suis peut-être putain, plus marié avec. Non, si, les liens royaux, ils sont toujours là. Mais Oh non, je vais perdre contre Verdun. Mais pourquoi ils viennent tous chez moi, ces cons-là? Ils font chier. Ça va, hein, c'est pas parce que j'ai le gros pays sur la map que faut se lâcher et venir dire bonjour. Salaud. Par contre, ouais, du coup, ils ont plus rien chez eux, quoi. Donc éclatez-vous, les mecs. J'ai envie de dire. A priori, je fais tampon. Par contre, je vais venir lui dire bonjour à lui. Lubeck qui veut venir me voir. Non, mais on était en guerre il y a 2 minutes. Peut-être falloir te calmer un petit peu. Oui, aussi. Bon, mettons nos différents côtés. Alors, ça, c'est bien parce qu'il est obligé de faire tout le tour. C'est le trop cool, les impôts de guerre gratuits. Ouais. Ça, c'est le truc à prendre tout de suite. Enfin, il y a ça. Où ça se voit, ça? Où tu le fais, ça? R des découvertes. Dans les aptitudes. Ah, ouais. J'ai pas fait ça. Zut. J'ai pris ça, et en plus, le pire, c'est que j'avais déjà un pack de l'expansion agressive moins 10%. Ah, j'ai perdu en plus. Oh, nique sa mère.
Bon, j'ai pris le siège de... Moi, j'ai la capitale de Fris. J'ai pris. Ils sont en train de siéger mon pays, alors si vous pouvez mettre fin à la guerre, ce serait pas mal. Bah, j'essaye, mais ils sont enlevés toujours, malgré le fait que... Fris est en attends, moyen. Je vais niquer sa flotte. Voilà, il n'y a plus de bateau. J'en ai récupéré deux en passant. Ouais. Oh, on peut se les finir et puis que tu... Tu y ouais. gagnes, hein. Pas mal, hein. Beaucoup même. C'est une garde coalition, donc au niveau de la... Marie il a plus 30. Il a plus 30. Ah ben ouais. Voilà. Ouais, ça m'arrange. Est... Ça m'arrange. C'est putain de troupe. Comme moi, la... légitimité, oui. L'Espagne et moi, on s'entend bien. C'est quand vous voulez, hein, parce qu'ils sont en train de... Là, mon pays... Ah, mais ils sont chez toi. Putain, ah ouais, non, mais c'est... Oui, c'est... tu peux les chercher. Ah ouais. Oui. Ils sont, ils sont chez Bibi non, et... Là, putain, mais je les reconnais pas, les drapeaux. Eh ben, parce qu'ils sont, ils sont en train de siéger le pays, là. C'est que j'ai plus de réserve militaire. Alors, je peux pas faire grand-chose. C'est génial. Bon, ils ont pas la capitale, donc... je tiens à peu près. C'est la lassitude de guerre qui commence à coûter cher un peu, mais... Je peux pas dégager Freeze, là. Non, coalition, tu peux pas. Te les séparer. Tu t'es tapé deux coalitions d'un coup. Ouais. Balèze. Pour Hambourg, juste pour Hambourg. Hein. Ah, là, je dis bravo. Ça, c'est histoire pour rappeler pourquoi. J'arrive, ils auront pas ton fort. Et je vais faire sortir la garnison dès que je peux. Merde, je peux pas. Bon, je les éclate quand même. Qu'on peut faire sortir les... Putain, mais il faut que je réapprenne à jouer à ce jeu là en fait. Bah si t'es chez toi et qu'ils ont pas pris le fort, quand t'arrives avec une armée, tu peux dire à la garnison de sortir en plus. Ah, bon, donc ça fait plus de troupes. Quand t'es plus fort, c'est trop bien. Ouais, ça te fait un plus de 2000 ou un truc. Enfin, ça dépend de l'état de ta garnison. Le 6 de manœuvre, quand tu recours après, c'est génial. Ah, ouais, non, ça aide. Par contre, ouais, là, il va falloir que je fasse. J'attende un peu que je développe un peu le pays qui est. Parce que là, en parlant de tiers-monde, je suis pas mauvais. Ouf. Comment il va mourir? Boum. Ça y est, ils sont faibles. Ouais. Est-ce que je peux récupérer mon pays, s'il vous plaît? Mais attends, ouais, des sièges, t'en as pas gagné des points de... Et il me retombe sur la gueule, ce con. Il va prendre un moins 1. Il va me faire un platine ou quoi? Un doute. J'arrive. Ah, trop tard. J'allais mourir, c'est bien. Bah, tu peux le finir, hein, t'es une deux points de plus. Je suis pas sûr, parce qu'il a un général... C'est le mien, il arrive sur le champ de bataille avec un lance-pierre, quand même, donc... Qu'est-ce que je peux leur réclamer? Bah, rien. Des réparations de guerre, des thunes. Non, je peux prendre... Ah non, je peux filer à l'Angleterre. Non, merci. T'es sûr, je peux te filer tout ce que t'as pris. Ouais, mais il n'y a pas de thunes, Verdun. C'est sûr. Ah, super, je vais prendre 35. Si j'en fais une vassale, j'en me retape une coalition. Je peux en faire une vassale anglaise par contre. Ah, t'es en train de manger là. J'arrive, mais... De quoi, non, vassale anglaise? C'est bon, hop. Voilà. Il reste 1000 mecs, ouais.
J'ai 0. C'est pire qu'au début de la partie, j'ai moins d'hommes. J'avais 8000 mecs au début. Non, là c'est pas fameux. Je suis bloqué de tous les côtés. La Pologne, je sais pas comment m'en débarrasser. Il me faut un rival de plus. Qui est-ce que je vais pouvoir mettre? L'Autriche. La ouais, bonne blague. C'est pareil. Oh, la Hongrie, par contre. Pologne... Ah, tu peux... je les ai en rivaux aussi, je crois. Non, ils m'ont en ennemi. Oh, mais non, mais c'est une blague. Ah non, mais c'est toi. Ah. 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 Quoi? Ah. Oui, j'ai vu. J'ai vu. La Moscovie. La Moscovie t'attaque. Bon, il y a la Pologne qui arrive, donc ça va. Ok. Ah. Et on a passé 2 heures à rien faire, à regarder ce qui se passait, et là, on s'est ah. tous les côtés. Ah. Ah. Allô maman bobo. Putain, ils ont bien grossi. Non, mais je vais laisser la Pologne faire là parce que. Par contre, il y a moyen de récupérer quelques territoires là si la Pologne il déconne pas trop. J'ai pas de troupes, j'ai rien, j'ai que dalle. Moi j'ai 2100 hommes. Ah, j'ai plus rien là. Mets-toi en deux si tu veux, moi ça ne gêne pas. Non, mais là je laisse la Pologne. Là. La Pologne en 3 elle se démerde pas trop mal. Il y a la Moldavie aussi qui participe. Putain, mais avec toutes ces guerres, je peux pas mal. Ah si, offre d'alliance avec l'Autriche, cool. Par contre, c'est les prêts qui vont commencer à coûter cher. Tu sais que moi je gagne de l'argent malgré. Bah moi. Moi quand je mets mes forts en comment. En pause, ça va. Et sinon... ouais, on va perdre en tradition plutôt qu'en... En comment... Problème de tout ce qu'on ils veut. Vont éclater les... Ils vont éclater les moscovites. Du coup, attends, je vais aller prendre Pskov. Gain de 2 en la suite des guerres, non. Tant pis, on perd. L'avantage, là ils sont en train d'aller vers le sud, c'est bien, c'est là où il y a tout le monde. Je peux prendre une doctrine, ça prend tellement de retard. Ça donne quoi? Coût des conseillers moins 10%, c'est pas mal quand même. Est-ce que je prends du retard du coup? Oh ouais, ils vont prendre cher de l'autre côté. Ouais. Ouf. Oh, il a coup eu. Coût d'impôt plus 10, coût des conseillers moins 10, pardon. La réforme. Protestante, ouais. Ça y est, la réforme. Ouais. J'ai pas vu. Ah, à Ragusa. C'est... Tout arrive. C'est où ça? Ragusa. Ils ont toutes les raisons du monde de se faire bouffer par l'Ottoman, quand même. Ragusa? Ouais. Ah ouais, là. La réforme, elle a commencé à Ragusa. Ah bien. Alors, je pourrais intervenir dans le conflit contre la Lituanie. Essaye. Je pourrais. Ah, gain de 2600 sur les réserves. Ça fait plaisir à voir. J'ai pas de prestige, j'ai encore... j'ai toujours le... La comment... Comment on la soumet la noblesse de... déjà? Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est écrit, tu passes le... C'est une infobulle quand tu passes le... Au niveau du désastre. Non, c'est... ouais, il faut du temps. T'as une... Bah, tu restes dessus. Par exemple, la guerre civile. Non, mais là, c'est... La noblesse, c'est pas écrit. Ah ouais? Ouais, je me souviens... Je sais pas si tu te rappelles, la partie avec la France, tu l'avais... Ouais, ouais, on avait un truc aussi, je sais plus comment... Fallait, là, ouais. Fallait que j'aille regarder. Je l'ai déjà eu et faut les redescendre. Pas beaucoup, ça. Ah, la Lituanie n'est plus considérée comme une grande puissance. Sans deck. Putain, les particularistes ici, serait bien que la Pologne. Alors. Non, ou que la Russie se fait top même. Ouais. Je parle du profénalisme et des réserves locales, génial. C'est bien que j'ai un fort quand même ici. Bon, on a. Je vais pas prendre énormément de trucs. T'as un fort qui sert pas grand chose à celui
Vilnius. Ah mais c'est ta capitale. Oui, non, c'est pour ça que je le garde. Ah merde. Non, j'allais dire... Ah oui, bien, les... merci les Russes pour avoir défoncé les particularistes. Bah tu vois, je t'avais dit. Sympa les mecs. À la sorrow. Je reviens. Ouais. Je garantis pas que ton pays soit là quand tu reviennes. Mais... Oups. Non, non, je fais calcul en première année. Putain, c'est horrible de pas avoir de puissance comme ça, d'être spectateur. Je prends le tech admin, mais mon focus, je peux le changer quand ? Dans 3 ans. Bah non, on va développer le pays. Je suis en guerre contre qui là ? Ah ouais, ça pique un peu en fait. Il y a du monde. Du monde en face. Bon après, ils sont en guerre contre la Pologne aussi. C'est-à-dire qu'ils vont aller assiéger la Pologne comme des cons. Ça me va. Militaire, je m'avance. Du coup, des régiments moins de 10, génial. Allez, le siège, putain, mais même l'IA, elle a du mal à faire les sièges là. 64%, ça va bien. Et moi, mes pecs, ça va mieux. Hein. Je suis à 8-8-7. Ça va beaucoup mieux. Ah, j'ai que la génie. Non, ah. Moi, les pecs, ça va. C'est le colonialisme, il est chez Bibi. Comment t'as fait ça? T'as pris quoi? Bah, j'ai pris l'exploration et j'ai exploré. Oui, mais t'as... Faut faire une colonie pour ça. Non, je peux pas la faire. Ah, putain, en plus, mon mec qui vient de crever... Oh, on n'a pas perdu près. Je crois qu'on est de la même dynastie, non? Ouais. Ah, j'en peux plus. Il y a trop de trucs qui se passent, là. J'attends d'avoir un peu de troupes. Ouais, mariage! Ouais, je vais aller péter. Ouais, je pouvais rien faire tant que j'avais pas de. Au moins 10k quoi. T'arrives là? Ah, ouais. C'est gentil. Ouais, je pouvais rien faire avant. Là. Je suis reparti. J'ai fini la guerre quand ils l'ont déclaré. Ah oh, bah, la Pologne s'en est. Je suis à moins 42 prestige, c'est la classe. Oh, j'étais à moins 59 tout à l'heure, je suis à moins 2. Ah, mieux, hein. T'en pourrais pas faire la paix, là? Non, ils veulent pas. Attends, on va commencer à leur péter les troupes, là, j'arrive. Il y a tout le sud du pays, c'est même plus chez moi. Ils aiment bien, hein, toute la partie sud, là, les Russes. Fait plus chaud. Ou moins froid. Ouais, moins froid, surtout, je pense. J'ai réussi à la perdre. Allez, venez, con de Polonais. Oh, je vais me faire éclater. Oh là, ils viennent chez Bibi, donc c'est même pas la peine. Il y a plus des troupes. Casse-toi. Allez, t'as le temps de te casser. Ah putain, ils ont plus de manœuvres. Bon bah, adieu mes troupes. Ah, le début du 16e siècle, il est compliqué. Ah là. Au sud, il y a tout qui est en train de se jouer. Toutes les troupes sont regroupées, c'est en train de renforcer de partout. Ah, une défaite pour... Ah, par contre, ils sont en train de shifter toutes leurs troupes au nord. Ah, mais t'as des troupes encore au nord, toi? Voilà, ce qu'il en reste. Bon, moi je vais même pas recruter, je vais rester comme ça. Lassitude de guerre élevée. Ah non, c'est. Ça commence à. Ça fait plaisir. Non, t'inquiète, il y a 35k polonais au sud. Ouais, mais j'aimerais bien qu'ils. Ils ont tout éclaté là sur leur passage. Ah, bah, moi je vais me planquer, moi. Genre chez moi, j'en ai marre. Ah mais t'es en train de siéger chez eux. Non mais il y a quelques forts là, droite à gauche, mais... Le problème c'est que... Il y a du monde au nord, on est à moins 5%.
Là. Lassitude de guerre à 7. Je te dis que ça commence à faire un peu mal quand même. Pars au sud là. Au pire, t'es pas loin des 40 000 Polonais. Tu vas te faire calculer là-haut au fort. Ouais, non. Je suis en train de voir ça, c'est trop tard. Non, ils ont trop de vitesse aussi. Fais un focus militaire. Hein. Le temps de rattraper le retard. Mais j'ai déjà un focus militaire en fait. Ah ouais? Ouais. T'es à combien là? 10. Ouais, non, la tech. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est... Au moins la tech 7, quoi, le temps de voir les canons. Ouais, le problème, c'est que je l'attends, moi, la tech 7. Il est 28% en bas, je pense qu'ils ont plus de manpower, la Russie. Leurs troupes, elles se renforcent pas. Le 5,7k, il est là depuis une éternité. Ah, mais il est passé à 6, ouais, j'ai rien dit. Attends, je vais regarder. Moscovie... Moscovie ça militaire. Se renforce très lentement. Mais ils sont devenus immenses. Qu'est-ce qu'ils ont bouffé à l'est? Ils sont 34 000, ils ont 0 de réserve. Ah, tu vois. Donc chaque défaite, c'est. Le problème, c'est que chaque. Le problème, c'est que moi, je suis à 0 aussi. Hein. Puis les thunes, là, je suis à moins 8 par mois. Ça va remonter. Attends, là, ils sont en train de tout dessiéger. Si je suis... Elle le fait bien, regarde. Elle envoie un mec partout. Mais ils sont où, ces autres mecs, là? Parce qu'ils étaient plus que ça, à la base. Ah, je prends une aptitude. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien. Vous pouvez éclater votre pays. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une aptitude? Ah, peut-être la renaissance dans toutes mes provinces. Je sais pas. Ah, tu vois, un truc à la... Oui, vas-y, 10k de trucs en... de révolutionnaire, ça me va. Oui. Je vais bien, tout va bien. Ah. Un niveau de plus. Ah, tu vas pouvoir faire des canons. Ouais, non, mais si j'ai des sous, si j'ai des troupes... T'as pas moyen d'avoir un autre allié que la Pologne, parce que c'est ce qui te bloque, en fait. Mais le problème, c'est que non, c'est parce que à gauche, c'est... Enfin, tu regardes autour de moi. Y'a rien, c'est Ottoman, Moscou, Pologne ou Danemark. Et les Ottomans, y'a pas moyen? Ah oui, non, mais ils veulent me casser la gueule, donc forcément. Ah. Non, je suis rival avec la Crimée. Oh non, je vais mourir. Ah, je peux avoir une pause, s'il vous plaît? Oui, je mets. Oui, pardon. Ouais, vas-y. Voilà. J'ai un grand garçon. J'ai trop de points admin. Excuse-moi. Pardon. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu disais? La prochaine fois, tu dis rien. Tu dis juste, je peux prendre une pause. Attends, offre de paix de la Moscovie, ils veulent. 7 Charkovas. C'est où ça? Charkovas, ok. La Moscovie. Tikhvin. 41. Ils sont en moyen. Parce que là, je leur cède que deux territoires qui servent à rien de toute façon. Ouais, ils sont en moyen et oui, c'est les seuls d'ailleurs. Ok, ils ont plus de réserve militaire donc. Ah, le problème, c'est que. T'y crois là? Parce que je refuse, mais Je crois quoi? Attends, je vais regarder la Pologne. Parce qu'il faudrait pas que la Pologne, ils aient plus de réserve non plus. Je pense qu'ils en ont plus beaucoup. 5000. Ils avaient 30... Ouais, ils avaient 40k et là je vois un pack de 13000. Ouais, et donc la Pologne a plus beaucoup après, de réserve peux... et ils ont ouais, moins mais de... Tu peux laisser...
tu peux laisser là où tourne un peu la guerre, parce qu'ils ont des petits régiments un peu partout là au sud-est. Ils vont prendre plein de petits territoires qui vont faire grimper le score de guerre. Ah, le problème c'est qu'il a moins 15 de score là. Bon allez. On fait confiance à Blue. Ouais, mais t'as une victoire sur Rostov là, en Pologne. Ouais, on est passé à moins 18. Moins 18, ouais. À voir là. Non, ils vont perdre, c'est quoi? Ah non, ils renforcent à 2000, mais ça va pas suffire. Ils vont les perdre. Non, ils vont les perdre aussi. Moi, j'ai recruté, donc je vais peut-être pouvoir libérer des trucs. On va traquer. Le problème, c'est que j'ai des troupes, elles me servent à rien. Voilà, je vais me faire gank les troupes encore. Putain. Ah non, c'est bon, j'ai eu un peu de chance. Tu peux pas y mettre un général dessus, hein, histoire qu'il court plus vite? Il y a déjà un général dessus, non? Le problème, c'est que je suis en retard avec les points, alors en plus. Ah, on est à moins 20 là, donc. Mes dômes, ils sont comment? Attends, là, je vais faire. Là maintenant, il me demande 4 trucs quoi. Charkova, Sneva, Ladoga. Après, c'est le nord. Bon, je vais dessiéger ce que je peux avec les miens. Là, ton pays, ils ont reculé. Il va plus être assiégé, ton pays. Faudrait qu'ils aillent au nord là, ils veulent péter les 8000. Oh, putain, ils ont pris le fort. Là, ouais, va falloir. Ouais, ils ont pris le fort en haut. Avec 6000. Ouais, non, tu vois, j'étais trop faible et ils m'ont sauté dessus. Bon, la Pologne a encore des troupes quand même. Hein. Sachant que la Russie, là, ils en ont plus des troupes. Hein. C'est, tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'ils ont. Hein. À chaque fois qu'ils en perdent, il n'y en a plus. Hein. Ouais, le problème, c'est que la Pologne aussi. Tu veux pas me suivre avec tes 7000 là? Je pars sur son fort. Ah, la Pologne a accepté la paix. La Pologne a accepté la paix? Ouais. Ah merde. Mais attends, c'est bizarre parce que... Ah, du coup, la Lituanie est en exil quand ils sont... Quand ils sont chez toi, qu'ils rentrent et qu'ils reviennent. Et ils me prennent tout l'est de mon pays là. Si je leur propose. Et ils veulent pas l'offre. Je vais mourir. À mon tour. À mon tour. Il a 6 de manœuvre, je vais avoir le temps de le renforcer. Ah mais regarde ce qui arrive. Ouais, ils auront pas le temps, mais ils ont 5 territoires. Voilà, hop, éclaté. Ouh, ils arrivent à 21 000. Oui, c'est pour ça. Ils arrivent à 31 000. Attends. Est-ce que ça va passer? Ouais. Ah, c'est bon. Ah 31k, une province de nous. Ouais, bah, va falloir lâcher des trucs là, je pense. Il faut repasser en élevé. Enfin, je vois pas comment leur passer autrement. Ouais, alors. Voilà. J'ai perdu un peu de pays, mais. Y a pas. J'ai gagné du temps. J'aurais dû accepter la première offre. Ouais, désolé. Non mais c'est pas grave, écoute. Bon par contre je me fais des thunes du coup vu que j'ai plus de troupes. J'ai pas de thunes, je vais tout mettre l'effort en pause. J'ai une limite de 17. Et une capacité de siège de moins de 3% à cause de ma suite de guerre. Guerre de succession entre Pologne et Bohême. Quoi? Nous risquons de devenir le partenaire mineur d'une union personnelle. Voilà ce qui se produira à la bord de Alexandras 1. J'ai pas encore d'héritier. Ah, il a 56 ans, ton mec. Ah ouais, ça pique. Toi, t'avais 70, un autre. Oui. Comme quoi, ça fonctionne longtemps, ces choses-là. Oh, mais putain. Ah non, mais c'est toi. Oh non, merde. Le Danemark, il te déclare la guerre. Oh, putain. Je vais retourner avec le pape et je vais ganker tout le monde, j'en ai marre. Non mais il y a la Pologne qui revient. Non mais font chier là. Vous pouvez pas attaquer Moscou ces cons là. Ils veulent prendre quoi?
Il va le prendre Sarima. Sarima, c'est ta petite île là-bas. Ouais, je leur donne là, c'est bon, cassez-vous. J'en veux pas de cette île de merde. Par contre, ma lassitude de guerre à 6 là, c'est pas possible. Ouais, là, mais. Ah non, mais. Ah, toi aussi. Attends, j'ai une lassitude de guerre. Ah non, ça va, 2,91. Relation diplomatique moins 1, magnifique. Comme ça, j'ai encore moins 1 de diplo. Voilà, on est bien là. Vraiment, je l'infocus. Norvège, Suède, Danemark. Tu veux un héritier? Merci. Je te propose un héritier. Je propose une chance d'avoir un héritier, c'est pas pareil. Et... je peux rien faire, je suis complètement bloqué. Par contre, la France est en train de se gaver. L'institution n'est pas prête de débarquer chez moi. J'ai combien d'emprunts? La Hollande est en guerre. Non, tu restes chez toi. Tu restes chez toi aussi. Et tu restes chez toi. J'ai 3 emprunts déjà. Si t'es pas en trêve avec l'Écosse, Pim, t'as moyen de les attaquer. Ils sont déjà en guerre contre la Frise. L'Écosse? Ouais. Non, mais je viens de bouffer. Je suis en trêve avec eux parce qu'ils étaient alliés à l'Irlande. Oh, ils sont en train d'éclater le Danemark, la Pologne. Alors, ce qu'on peut faire, éventuellement... Ce qu'on peut faire, c'est attendre, prier. Et ça. Ouais. Et si tu veux... Alors, attends. Moi, je t'appelle direct, hein. Attends. Alors, on est pause. Il fait une alliance, moi j'appelle, hein, direct. Mais oui. Mais c'est l'idée. Ouais, c'est pour aller bateau. Hmm. Je suis d'accord. Tant pis, je prends du retard militaire. Ah, je me fais 5,56 par mois. Mais... Ouais, Moscovie, là, c'est un gros morceau. À mon avis, faut que tu pètes ton alliance avec la Pologne dès que tu peux. On l'éclate. Parce que la Bohème aussi est en train de grossir là. Tu peux m'appeler si tu veux. On l'éclate et derrière on est assez puissant pour lui résister à la Moscovie parce que. Elle va nous manger tout cru là. Ah, faudrait que je. Enfin, tu vois où elle s'étend toi après le Kazan ou pas? Ouais. Ça va loin? Ah bah, tu prends le Kazan, c'est tout au nord là. C'est une ligne droite. Elle est l'Oural quoi. Ah d'accord. Donc ça va pas beaucoup plus loin en fait. Non. Mais c'est des grosses... des grosses régions de rien, mais c'est des régions quand même quoi. Oui, bah, ça fait pas de mal. Et non, mais quand t'attaques, l'hiver c'est attrition quoi. Mmh. Le problème c'est qu'il y a que moi qui fais tampon avec la Moscou là. T'as voulu prendre la Lituanie. À la base c'était la Moscovie qui voulait prendre. Ben, j'aurais peut-être dû. De toute façon, vu comment la partie a démarré, il y a moyen qu'on recommence une partie assez rapidement. Non, ça devrait le faire. On aurait dû repartir sur mon idée. On aurait été tranquille au moins le début de partie. On est d'accord que la foi, enfin que protestant c'est mieux. Ouais. Ça dépend. Moi je trouve que le pape il a tellement d'avantages que tellement. Énorme. Non mais tu par rapport à la réforme tu veux dire? Ouais. La réforme c'est naze. Hein. Ah. Non mais traduction de la Bible là. Oui. De toute façon protestant c'est mieux. Même s'il y a les bonus du pape, il faut bien s'entendre avec. Gna. Bon il suffit de convertir régulièrement les provinces, c'est kiff. Hein. Même pas besoin d'améliorer les relations. Après, j'ai pas bien regardé tous les bonus des autres religions. Protestants, modif d'impôt, amélioration des relations. Le Danemark a repris son territoire. Un Pim qui fait du ménage en
Norvège. Oui. Bah, c'est pile l'endroit où la Baltique n'est plus une mer intérieure. Donc je peux poser mes bateaux pour prendre le malus. Donc il peut pas bouger. Bah, j'ai un héritier, mais il est dégueulasse. Ouais, mais tu regardes, c'est écrit, tu vois la province juste en dessous, la province maritime juste en dessous, Kattegat, c'est marqué, ceci est une mer intérieure. Et celle du dessus, non. Ouais. Mais je t'avouerai que j'ai fait une partie suédoise cet été, et du coup j'ai repéré un peu ces trucs-là. Voilà. D'accord. Si vous avez regardé Viking, la série, Kattegat, c'est le lieu, c'est la ville principale où on se passe la série. Ah, d'accord. Ah, ben voilà, je perds de la stab. Ouais. J'ai de la rébellion, mais tout va bien. Et j'ai 14k qui tombe. C'est normal, ça. Et en plus, je vais perdre. Et ça m'a arrangé, parce que le Danemark étant mon rival, l'appel aux armes m'a donné des points. Tout pour... Ah, Pim, il va kiffer.